Coupé en morceaux, donc j'ai plus que les portes et je l'ai transformé en quelque chose durable, on va dire. Et c'est les chaises, les foyers de bambou, vous connaissez les chaises. Mais j'ai un double là, hein. J'ai un deuxième là-haut, je ne vous ai pas dit encore. Pour encore mieux, c'est pour la LPO qui est en train de protéger les palettes de Talhuis, la gorge de Talhuis, si vous le connaissez, ils ont un grand projet. Et ils ont nous demandé de les soutenir financièrement pour faire des panneaux, pour les publics, etc. Donc on a dit aujourd'hui on va consacrer cette exposition pour la LPO et leur projet. Hein. Mm-hmm. Que chaque couleur, quelque part, tout son place juste vis-à-vis de l'autre. Et normalement, le bleu est très difficile quand on ajoute le bleu, ça froidit un tableau. Et je ne trouve pas. Moi, je trouve le bleu, ça rehausse la lumière encore. Et ça entre dans la transparence. Et cette chaise, moi j'adore de développer et enlever au maximum les figuratifs, laisser sortir les montagnes derrière et des paysages qui correspondent quelque part à des paysages intérieurs. C'est notre âme hein, qui en peint, ou en voyage dans la nuit, dans les rêves. C'est joli ça. En terre et ciel, c'est quelque part. La naissance de la vie sur la terre, de la nature, qui est encore une idée cosmique qui ne s'est pas encore matérialisée, mais qui descend sur la terre et qui va se bientôt transformer dans des forêts, dans des eaux vivants, les premières algues bleues qui apparaissent. On est dans la période de 3,8 milliards d'années avant aujourd'hui. Et c'est juste la vie qui est entrée sur la terre. Et vous voyez cette
cet axe de haut en bas où il y a quelque chose qui va arriver, mais on ne sait pas quoi encore, c'est tout est en suspension. Et là, la grande question qui se pose toujours, quelle place l'homme doit prendre dans cette création qui, quelque part, l'homme est venu tout à fait à la fin. Est-ce que l'homme a vraiment la place de dominer tout ça, ou est-ce qu'il est tout petit, il doit tout son place juste poser, intégrer en harmonie dans cette création pour vivre encore quelques millions d'années, hein? Donc c'est une grande question qui se pose, où est la place juste de l'homme dans la création aujourd'hui? Thank you.